S'il vous plaît, je suis déjà à 4 mois. À 4 mois. Donc, vous pouvez vous calmer. Je vais vous donner le sexe bientôt. Vous comprenez? Et maintenant, je ne sais pas si le père c'est un blanc, si le père c'est un noir. On attend seulement à la naissance. Vous comprenez, non? C'est à la naissance qu'on verra si c'est le blanc ou si c'est le noir. Honnêtement, là où je suis, là, je ne sais pas qui a fait ce boulot. Mais je porte seulement, vous entendez? Ce n'est pas de ma faute. C'est comme ça la vie. Quand il est assis pour boire bien là, c'est là qu'il se retrouve dans son milieu comme ça. Dès qu'on dit envoyer des capsules, non, il jette tes dents là, tu décapsules toutes les bouteilles de ta table. Tu es décapsulé à Abidjan. Et puis tu t'assois pour dire que femme est matérialiste. Il dit, on est matérialiste, non? On a quoi? Le jour où vous arrivez au paradis avant nous, là, fermez la porte, jetez la clé. On ne va pas rentrer. C'est nous, on a beaucoup de péchés. C'est vous qui connaissez la Bible par cœur. Nous, on ne connaît pas la Bible. Donc, toi aussi, tu fais fête des paix. Toi aussi. Champion, arrête ça. Arrête ça. Jessica Grace Emanuela, qui encore? Cofid. Combien de personnes tu as fait avorter? Toi aussi, tu as fait. On va te souhaiter bonne fête des pères aussi. Faut pas trop en demander, hein. Faut pas trop en demander. Non? Chalentieux, là. De toute façon, il est là. Il n'a rien. Moi, il a fait quoi, garçon qui n'a rien? Toi, tu as quoi? Toi, tu as quoi? C'est de façon tu es là. C'est comme ça que tu auras. La vie est simple. Il faut avoir pour avoir. Tu comprends? Saisis le truc. En fonction de son comportement, tu te comportes. Il est doux, il est gentil, il prend soin de toi. Tu es douce, tu es gentil, tu prends soin de lui. Il te parle mal, ne te respecte pas, ne te calcule pas. Tu le tèges. Quand tu as cru que tu aurais pu manger beaucoup de sucreries et que finalement, tu n'as pas pu. Non, mais parce qu'au final, tu culpabilises. Vas-y, la semaine prochaine, c'est chaud. Je suis en surpoids. Mais je le prends bien. Régime à volonté. Parce que c'est gérable. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que le diète, il te dit, ouais, t'es en surpoids et tout ça, mais t'as pas de ventre. Donc, tant que t'es en forme et que t'as pas de ventre, ça va très bien. Moi, j'aime pas les bidons.